Je sais pas. Tu devrais déjà être là. Oh, Madame Claire, ça va? Ça va tout le monde? Mais qu'est-ce que vous faites là, monsieur la Marluche? D'où vous venez là? Vous êtes entré par une fenêtre ou... Bah non, c'est le maire qui m'a donné les clés là. Je vous attends depuis 3 jours là, Madame Claire. Faudrait s'y mettre, hein. Mais on est là depuis une heure, on est prêt. Qu'est-ce qu'on... Ça va aller, Madame Claire, ça va aller. De toute façon, maintenant, on va prendre le petit déjeuner. Oui, on va s'y en un, on va s'y en télé. Alors, monsieur la Marluche, voilà, ce sera les différentes zones où vous allez devoir guider les spectateurs. Il y aura aussi la médiathèque qui sera ouverte. Madame Claire, moi je le vois tout de suite qu'il y a un truc qui cloche. Vous avez oublié un truc, un détail important. Qu'est-ce que j'ai oublié? La sécurité. Oui, non mais vous êtes censé vous occuper de l'animation. Madame Claire, vous inquiétez pas. Le premier qui bouge là, je le chole direct. J'aurai un œil sur tout et sur tout le monde. Le premier qui bouge, puis dehors. Alors, juste ici, il va y avoir les caravanes. Avec la nature derrière. Enfin, ça va être très les caravanes. Les caravanes. Ah ok, bravo la communication, personne ne me prévient, bravo. Oh, je suis déçu, hein. Là franchement je suis dégoûté quoi. Qu'est-ce qui vous arrive monsieur la Marluche? Je comprends pas. Bah vous ouvrez un camping là et vous me prévenez pas, moi je dois réparer ma tente et ça prend pas 30 secondes, désolé quoi. Non, ce sont des caravanes qui vont servir pour les décors des artistes, pour les animations. Voyez un petit peu. Ça veut dire que j'apporte un barbecue. Et cette année, monsieur la Marluche, la thématique ce sera le voyage dans le temps. Trop bien! Ah, oh, c'est une super bonne idée, c'est ça. Bah ouais, c'est excellent. Mon voisin, il a retapé sa R21. Bon, elle est flambant neuve maintenant. On y colle des décolles comme anneaux dessus et ça fait la voiture de Retour vers le futur, la DeLorean, vous connaissez? Ah, mais on va être super content. Et après, comme ça, il revient l'année prochaine, comprenez, madame Klein? Hein? On fidélise le client. Allez, c'est parfait ça, on continue, par là. Comme vous pouvez le constater juste ici, nous avons la chance de faire venir plusieurs formations musicales. Alors ça va être vraiment la folie, l'ambiance. Sérieux? Ils viennent eux? Bah oui, qu'est-ce que... Bon, c'est pas terrible, hein, il paraît. Hein. Ah bon? Ouais. Et en plus, tenez-vous bien, hein, ils finissent tout nus leur concert sur la scène. Alors, C'est pas vrai? Bah si. Ah, mais ça va pas du tout. Bah c'est pour ça, moi, je dis ça, je dis rien, madame Klein. Mais vous auriez dû faire venir mes cousins. Voilà, ils jouent mieux et en plus ils sont beaucoup, mais beaucoup moins chers en plus. Oui, hein. Alors non, ça vous regarde pas du tout. Et donc, si les circonstances le permettent, une charrette transportera le grain jusqu'au moulin. Ah ah, on y vient. À la sécurité, une fois de plus. Donc, madame Clara, pour que j'escorte le chariot, il me faut une oreillette obligatoirement, hein, comme dans Bodyguard. Je cours comme ça pour le chariot, non. Je visualise. Non, mais monsieur la Marluche, ce ne sera pas nécessaire. Il n'y aura pas d'oreillette. Non, c'est tout. C'est pas nécessaire, d'accord? Bien vu, madame Clara. Pas d'oreillette, parce que sinon, je me fais griller. Tout le monde va savoir que je suis la sécurité. Bien vu. Ah, il y en a là-dedans, hein. Ça se voit que vous travaillez à la mairie, hein. Ah. Oh, madame Clara, j'y pense. Il y aura une buvette? Bien sûr que oui, il y aura une buvette, monsieur la Marluche. Oh. Il y aura même de quoi manger. Oh, ça c'est bien. Bon, bah, hey, vous l'avez compris, hein, on est fait prêt pour vous accueillir à la fête du moulin qui aura lieu le 23 septembre. Le 25 septembre! Ah bon? Le 25 septembre? C'est le 25 septembre, monsieur la Marluche! La fête du moulin, c'est le 25 septembre! Mais moi je suis pas là, madame, le 25 septembre, hein! C'est le jubilé de Nanon, là, je l'avais dit, hein, je pouvais pas être Mais là. Mais comment hein. ça, vous êtes pas là, monsieur la Marluche? Je vous assure que vous allez être là le 25 septembre, monsieur la Marluche! Oui, bah, non, mais c'était une blague, ça va, madame Claire, on se détend. Je vous ai bien eu, hein, vous avez cru, hein. Une blague. Eh bien, comme monsieur la Marluche sera là, on vous attend le 25 septembre à la fête du moulin d'Achicourt. Venez nombreux. Et en famille. Il y a un accent à... Okay.